comme vous savez, quand nous sommes en train de faire, d'élaborer le budget de la commune de Fifumurumé, nous nous mettons ensemble avec la communauté, à travers la société civile et d'autres représentants. C'était à cette occasion-là qu'on avait placé, d'érigé ce centre de santé ici à Manomapia. Et c'est, le choix était venu de tout le monde et c'est comme ça que nous avons jugé bon de commencer les travaux. Bien qu'ayant commencé un peu en retard, tout ça c'est indépendamment de notre volonté. Comme vous savez, le processus au niveau de l'ARMP pour l'obtention du visa, pour qu'on nous donne le quitus pour commencer les travaux, ça prend 3-4 mois. Donc cela nous a pris beaucoup de temps, mais voilà qu'on nous a autorisé maintenant et nous venons de commencer les travaux. Les attentes, c'est soulager la population. Comme vous savez, Fungurume est tenté de grandir et il y a une grande concentration aussi de ce côté. Et nous avons jugé bon qu'il fallait qu'on puisse... Mais c'est prévu d'ailleurs qu'il y ait, je crois, 2 ou 3 centres de santé. Et nous commençons par Manomapia, ça va regrouper toute la population de ce côté et ça sera un grand soulagement pour la population. Nous sommes trop exigeants et trop regardants de ce côté-là. Tout entrepreneur qui gagne un marché ici, nous demandons à ce que plus ou moins 80% de la main-d'œuvre soit locale. Et nous avons été avec l'entrepreneur et il nous a rassuré que le recrutement s'est fait sur place. Plus ou moins 6 mois, mais l'entrepreneur m'a dit qu'il peut faire même moins que ça.